Skoda travaille depuis longtemps à moderniser son image et touche enfin au but. Depuis son intégration au groupe Volkswagen, la marque tchèque veut proposer des autos sophistiquées à des tarifs intermédiaires entre ceux du low-cost et des généralistes. L'Octavia de 3e génération confirme son statut de grande routière en s'allongeant à 4,66 m. Au premier coup d'œil, cette version pourrait juste passer pour une évolution de la précédente. Elle arbore à l'arrière le C caractéristique, une calandre avec bec d'aigle et un profil à 3 volumes malgré la présence du haillon. Pourtant, la nouvelle Octavia oublie les courbes de son ancêtre au profit d'une multitude de lignes et d'angles droits. Ainsi, les contours du capot, de la calandre et des phares sont tous saillants et le haillon présente des plis de tôle, montrant que le dessin n'a pas été voulu simpliste. D'ailleurs, les designers de la marque ne sont pas peu fiers de leur bébé auquel ils prêtent un profil sportif. Nous n'irons tout de même pas jusqu'à comparer le dessin de l'Octavia à celui d'un coupé. Mais ne serait-ce que par son logo encore jugé comme peu valorisant par certains, l'Octavia fait preuve d'une certaine prestance. L'Octavia présente une planche de bord presque aussi bien finie que celle d'une Golf. Les assemblages sont rigoureux, mais comme souvent, seule la partie supérieure de la planche de bord est moussée. N'espérez aucune excentricité en matière de style. C'est sobre, discret et l'ergonomie est réussie. Les inserts décoratifs sont en plastique peint et ils imitent plutôt mal l'aluminium en série. Ils copiaient assez fidèlement le bois. Suivant les versions et les options choisies, la sellerie se composera de tissu, d'alcantara ou de cuir. Dans l'absolu, l'habitacle fait partie des atouts de l'Octavia, même s'il n'atteint pas tout à fait le niveau de qualité d'une Volkswagen. Mais le prix d'achat s'en ressentira pour le bien-être de votre porte-monnaie. L'allongement de l'empattement profite aux passagers arrière, qui bénéficient d'un large espace alloué aux jambes. Et n'oublions pas le coffre de 590 litres, point fort du véhicule qui le rend apprécié de bien des commerciaux et taxis. La Skoda Octavia adopte à son tour la plateforme modulaire MQB, déjà découverte sur l'Audi A3 et la Golf 7. Ce châssis se montre tout à fait à la hauteur, une fois de plus. Précisons toutefois que l'Octavia ne profite du train arrière multibras que sur les versions les plus puissantes. Dans le cas qui nous intéresse ici, elle se montre d'une parfaite neutralité, y compris dans les changements d'appui à haute vitesse ou lors d'un lever de pied en courbe. Une neutralité qui ne profite pas au plaisir de conduite. Pas plus que l'omniprésence des systèmes de sécurité électronique qui veillent en permanence à garder l'Octavia dans le droit chemin. Tant pis pour les pilotes en herbe, tant mieux pour les chargés de famille qui seront rassurés de pouvoir compter sur leur monture en toutes circonstances. Le silence à bord demeure de haut niveau, quelle que soit l'allure et le revêtement de la route. Opter pour le 1,8 litre TSI 180 chevaux de notre essai, c'est réduire le choix à l'unique version élégance, très bien équipée et facturée avec la boîte DSG à 28 900 €. Ce bloc parvient, malgré sa puissance confortable, à échapper à toute forme de malus. Certes, la présentation pourrait être un peu plus raffinée et son caractère un peu plus marqué. Mais pour l'acheteur qui attacherait beaucoup d'importance à ces critères, il existe les Audi A4 et BMW Série 3. Deux autos qui déclenchent la petite étincelle qui manque à cette tchèque, mais qui sont plus de 5 000 € plus chères.